RMC, l'immanquable grande gueule, Elina Dumont. Marianne, tu sais moi, quand j'ai été exclue du système à 14 ans, ben tu sais ce que j'ai fait ? Eh ben j'ai fait que des conneries, jusqu'à ce que la justice me prenne à 19 ans. Voilà. Oui. Moi je suis désolée parce que ce discours-là, pour moi est inaudible. Je suis exactement comme Marie. Exactement. C'est pas parce que tu es pauvre exactement. Que tu je as le droit de devenir dealer ou guetteur. Pour moi c'est inexcusable. La société doit à un moment oui, te dire que ça pour peu que t'aies pas été éduqué. Moi je suis oui, d'accord. Mais Johnny Blanc, Johnny Blanc va mettre tout le monde d'accord. Je suis d'accord avec vous toutes. On a tous dit ça, très bien. Maintenant on a fait le constat. Alors c'est à l'enfance qu'il faut les éduquer dès le plus petit âge. On est tous d'accord. Alors oui. Ceux qui existent toujours, on en fait quoi? Oui, voilà. Voilà, la question est là parce que c'est où on a la volonté de dire alors ok, faut les sortir et du ben, circuit, on en parle on plus. On responsabilise alors, on les parents et quand les gamins se retrouvent devant les tribunaux, c'est avec les mais parents. Mais c'est trop tard, Elina. Mais les non, gamins les parents, il faut les responsabiliser. De violer une femme, je suis désolé, tu ne les récupéreras pas cela. C'est perdu, je suis désolé. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux en faire? On viole pas une femme comme ça du jour au lendemain à 15 ans. Mais sauf qu'on est capable de le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces gamins-là? Ben, on responsabilise les parents et les parents se retrouvent aussi au tribunal, voire les mettre en tôle avec les gamins. Moi, je suis désolée. Voilà, ça c'est dit. Merci Marie. Merci Marie. Le débat, vous l'avez provoqué, Marie, dans les grandes gueules et on aime ça. RMC. L'immanquable grande gueule.